La délégation présidentielle en visite officielle en Italie puis en France la semaine dernière a débarqué hier soir à Ivato. Le président Eragon Armapian a démenti les informations selon lesquelles il aurait rencontré l'ancien président de la transition à Paris. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée ce jour sur un appel lancé par son président au Bianco et à l'inspection générale de l'État. Les subventions de l'État malgache ne profiteront pas à tous les utilisateurs de carburant, a déclaré le président Eragon Armapian ce jour. À Jérusalem-Est, la tension reste particulièrement vive. Aujourd'hui, les funérailles du jeune Mohamed Aboukder se sont achevées tout à l'heure. Les affrontements ont eu lieu en marge du cortège entre la police et les manifestants, israéliens et palestiniens. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. Sidef, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. La délégation présidentielle en visite officielle en Italie puis en France la semaine dernière a débarqué hier soir à Ivato. De retour au pays, le numéro 1 d'Imbo Isruc a affirmé qu'il a payé de sa poche les frais de déplacement de sa famille. Il a également démenti les informations selon lesquelles il aurait rencontré l'ancien président de la transition, Andrazuil, à Paris. Reportage. C'est avec un message plein de sagesse et d'espoir que Eragon Armapian revient au pays. Le pape François souhaite au pays un retour à la sécurité, à la paix et à la sérénité sociale. La création d'un cardinal pour Madagascar n'a pas été au menu de la rencontre des deux personnalités. Ce voyage officiel est le sixième du locataire d'Imbo Isruc depuis son investiture. Il affirme que les relations extérieures sont tout aussi importantes que les affaires nationales. Ce ne sont pas des excursions, a-t-il rajouté, devant un parterre de journalistes. Il a d'ailleurs expliqué qu'après Italie, la délégation a fait un crochet à Paris, où il a rencontré des opérateurs économiques prêts à investir au pays. Dans quel domaine et comment? Aucun détail n'a été donné par le président de la République. J'ai pu rencontrer plusieurs investisseurs, privés surtout, qui sont intéressés à venir investir à Madagascar. J'ai parlé tout à l'heure du groupe Vinci, du groupe Bolloré, du groupe Bouygues, et puis d'autres groupes chinois qui étaient venus pour discuter, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je sens l'engouement qu'il y a, et probablement, très prochainement, la concrétisation de certaines collaborations. Des médias ont ironisé sur Eragon Armapian, entouré de sa famille sur des photos officielles, accompagné de sa famille au grand complet. Le président de la République affirme avoir payé de sa poche les dépenses afférentes au déplacement de sa famille. Qui paye? Je le dis en malgache tout à l'heure, de manière très claire et sans équivoque, c'est moi qui paye. J'ai dit tout à l'heure que je suis quand même, depuis le début de ma mandature, celui qui milite en faveur d'une bonne gouvernance et d'un état de droit. Donc, ça commence par moi. Il a d'ailleurs mis en garde le corps de journalistes de se donner trop la permission de critiquer et de diffuser des informations non recoupées. C'est le cas, selon lui, pour la rencontre avec Andrazuil à Paris. Une rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et qui a coïncidé avec un moment chaud sur le plan politique. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée ce jour sur un appel lancé par son président au Bianco et à l'inspection générale de l'État.
suite aux rumeurs sur un détournement de plus d'un milliard d'ariar incriminant son équipe. Jean-Max Rakoutoumamounz a martelé que cette affaire est liée à l'exercice de l'ancien bureau permanent. Gaëtan Adjeslav. 8 projets de loi et 5 propositions de loi ont été traités au sein de l'Assemblée nationale lors de cette première session ordinaire. 3 propositions de résolution ont été adoptées. En plus des rencontres avec le gouvernement, le bilan de la Chambre basse, ces 2 mois ont été dominés par les questions d'argent et de détournement qui ont terni l'image du bureau permanent. Jean-Max Rakoutoumamounz a invité le Bianco et l'inspection générale de l'État à se pencher sur les dossiers de l'Assemblée nationale afin de vérifier si des tournements il y a eu. Selon les membres du bureau permanent, les mauvaises gestions remontent du temps de la présidence de Christine Razan Amassou. Beaucoup plus de sommes auraient disparu de la caisse. Mis à part ces problèmes, une deuxième rumeur sur une motion de censure a également troublé l'atmosphère de l'Assemblée nationale. La deuxième depuis cette session. Le Premier ministre a réagi et a clairement dit qu'il faut creuser les abcès. Cette session ordinaire laisse derrière elle un goût d'inachevé. Les projets de loi sur les élections ainsi que la loi de finances rectificatives n'ont pas pu faire l'objet de débats. Une session extraordinaire est prévue. Le pari des communales pour cette année sera-t-il tenu? Pour l'instant, les déclarations officielles entretiennent l'incertitude. D'un côté, le Premier ministre Roger Coul est péremptoire. Les élections communales se tiendront avant la fin de l'année. De l'autre côté, le ministre de l'Intérieur, Olivier Maafal Soulnaja, s'en tempère. La question est encore à l'étude. Le gouvernement semble en proie à des tiraillements sur la tenue des élections communales cette année. Rien n'est encore sûr. Il reste encore de nombreux détails à étudier sur le projet de loi qui servira de cadre juridique pour les élections communales. Lors de la dernière rencontre des membres du gouvernement avec les parlementaires, le ministre de l'Intérieur affirme que le gouvernement réclame encore plus de temps pour étudier ce projet de loi. Contrairement au Premier ministre Coul Roger, le ministre de l'Intérieur a soigneusement évité de se prononcer sur la tenue des communales pour cette année. Le ministère de l'Intérieur et la CNIT ont déjà mis en place un comité technique pour l'élaboration d'un projet de loi sur les élections communales. Je réaffirme que ce projet de loi est très important car il va régir toutes les élections à venir. C'est la raison pour laquelle nous prendrons le temps qu'il faudra. Le Premier ministre Coul Roger a réitéré hier, lors de la fête nationale américaine, qu'il n'y a pas de difficulté dans la préparation des élections communales et qu'elles pourraient se tenir avant la fin de cette année. Nous avons déjà apporté tous les amendements nécessaires à propos du projet de loi sur les élections communales. Il sera soumis à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais, peut-être lors de la prochaine session extraordinaire. Cette ministre a répondu hier aux différentes questions des députés. Il reste donc encore plus d'une vingtaine de départements. La prochaine session extraordinaire risque donc d'avoir un ordre du jour bien chargé qui pourrait affecter les débats sur les lois électorales. Faute de budget, le secteur de l'agriculture a reculé durant ces 5 dernières années. Le manque d'encadrement technique des agriculteurs demeure une lacune. Afin de relancer le secteur, l'État priorise entre autres le financement des centres de services agricoles, la seule structure de proximité de la filière. Une conférence a été organisée ce jour sur l'élaboration de la politique agricole. Reportage de Sitia Kravounerson. Moins de 10% du budget de l'État est affecté au ministère de l'Agriculture durant ces 5 dernières années. Le taux tourne de 6 à 7%. Faute de budget, nombreux projets de développement rural sont financés par les bailleurs de fonds. Ce sont souvent les ONG qui assurent l'encadrement technique des agriculteurs et au terme du projet, aucun suivi n'est réalisé, d'après Rassouara Wanajan, directeur de l'École supérieure des sciences agronomiques. En raison du fort taux de prévalence de la pauvreté en milieu rural, l'agriculture devra, selon lui, être en amont de tout développement. Le développement du secteur industriel, mis à part les entreprises franches qui ne font que faire passer un peu de valeur ajoutée,
Donc, l'agriculture doit être le pourvoyeur de matières premières, de développement industriel et secteur commercial. En vue de relancer le secteur, le ministère de l'Agriculture a élaboré des stratégies à court terme. Mis à part l'aménagement des infrastructures hydro-agricoles, d'autres aspects devront être considérés. Il nous est indispensable de désenclaver les routes, de désenclaver les zones par la construction ou surtout la réfection, la réhabilitation des routes pour une facilitation des accès aux zones de production. Une conférence a été organisée ce jour sur l'élaboration de la politique agricole. Cet événement a vu la participation des experts nationaux et internationaux ainsi que les partenaires financiers de Madagascar. Les subventions de l'État malgache ne profiteront pas à tous les utilisateurs de carburant, a déclaré le président Erazon Armapian ce jour. Les détails avec Niant Ngenarsou. Un mal nécessaire. L'État perd 150 milliards d'ariars par an pour stabiliser le prix du carburant par le système de subvention. La baisse du pouvoir d'achat durant la période de crise en est la raison. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds comme le Fonds monétaire international, lundi dernier, revendiquent l'application de la vérité des prix. Alors que l'État ne peut supprimer ses subventions sans des mesures d'accompagnement, a déclaré le président Razon Armapian ce jour. L'État poursuivra les subventions, mais la liste des bénéficiaires sera réduite. Et Razon Armapian révèle que la vérité des prix aurait dû être appliquée depuis longtemps, mais cela a été impossible à cause de la crise. Ceux qui ont les moyens paieront le prix normal et le reste recevra des subventions. Il s'agit des étudiants, des employés, des camions de transport de marchandises. Les Malgaches ne sont pas contraints de suivre le FMI, songeant à l'intérêt de la masse. Les recommandations du FMI ne sont pas forcément porteurs de croissance économique. Le FMI ne vise que la stabilisation de la valeur monétaire, entre autres l'équilibre de l'offre et de la demande. Selon l'économiste Rakoud David Olivanyain, la croissance économique requiert le déficit budgétaire, mais cela doit se faire à travers des investissements ou des créations de richesses, entraînant la hausse du pouvoir d'achat et la baisse des impôts. L'augmentation des prix du carburant n'est pas pour demain. Le coût du carburant définit le prix des produits et constitue un des facteurs pour la stabilisation du pouvoir d'achat. Et place aux actualités internationales. Nouvelle journée de tension entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, les funérailles du jeune Mohamed Aboukder se sont achevées tout à l'heure. Les affrontements ont eu lieu en marge du cortège entre les policiers israéliens et palestiniens. Le jeune Palestinien de 16 ans avait été retrouvé mort mercredi dernier. On soupçonne d'ailleurs ses meurtriers d'avoir voulu agir en représailles à la mort des trois adolescents israéliens. Reportage de France 24. Après trois longs jours d'attente, la dépouille de Mohamed Aboukder est ramenée dans le quartier de Chouafat où il vivait avec ses parents. Des milliers de Palestiniens accompagnent son corps jusqu'à la maison familiale, puis jusqu'au petit cimetière de ce quartier de Jérusalem-Est où Mohamed a été enlevé mardi soir. Quelques heures plus tard, son corps entièrement brûlé avait été retrouvé dans une forêt dans la partie ouest de Jérusalem. Ces derniers jours, des médecins palestiniens et israéliens ont procédé à une autopsie pour connaître les causes de son décès. Le rapport n'a pas encore été dévoilé. Il voulait nous rendre son corps jeudi soir. Nous avons refusé parce que nous n'aurions pas pu l'enterrer le soir même. J'ai dit que je voulais de grandes funérailles pour mon fils. Des funérailles auxquelles la foule puisse participer. Ces funérailles ont lieu dans un contexte très tendu après l'enlèvement de trois Israéliens retrouvés morts lundi dans le sud de la Cisjordanie. Elles coïncident aussi avec le premier vendredi du Ramadan qui attire habituellement des dizaines de milliers de musulmans sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Mais cette année, la police a décidé de limiter l'accès à l'esplanade aux femmes et aux fidèles âgés de plus de 50 ans. Des renforts ont également été déployés, ce qui n'a pas empêché des heurts d'éclater dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est. Voilà, nous allons partir aux États-Unis pour clore ce journal. La saison des ouragans a débuté dans les Caraïbes. Arthur, le premier d'entre eux, a touché les côtes américaines au niveau de la Caroline du Nord. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant, mais cet ouragan vient perturber la célébration du 4 juillet.
la fête nationale des États-Unis. France 24. Sur les plages de Caroline du Nord, ces images ne sont pas rares, mais certains veulent voir de près les effets du premier ouragan de la saison. Arthur a atteint la côte est des États-Unis la nuit dernière, alors que des milliers de vacanciers s'apprêtent à célébrer ici la fête nationale américaine. On vient de nous apprendre qu'il s'agit maintenant d'un ouragan de catégorie 2 et nous voulons avertir nos citoyens qui vivent sur la côte ainsi que les milliers de touristes qui doivent peut-être y faire face pour la première fois. C'est une tempête très sévère. Les autorités surveillent de près les Outer Banks, un chapelet d'îles très réputé pour ses plages. Plus de 4000 personnes ont déjà été évacuées, une centaine de gardes nationaux se tiennent prêts à intervenir. Mais pour le moment, seules quelques milliers de personnes sont privées d'électricité dans la région. Ce vendredi, Arthur devrait progressivement perdre de sa puissance en remontant vers le nord de la côte américaine. Et puis restez avec nous tout de suite après ce journal. Suivez la Team Mondiale 2014 et le magazine Mikulwevich. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.